Charny, la déception de Villefranche a-t-elle été digérée? C'était vendredi. Est-ce que quelques jours plus tard, ça va mieux dans le vestiaire? Bah oui, ça va. C'est sûr, on est déçu de l'issue de ce match parce que on a fait un bon match. Malheureusement, il y a ce but un peu sorti de nulle part dans les dernières minutes. Mais voilà, ce qui est bien avec ce groupe, c'est que on arrive vite à switcher et on a la chance de pouvoir se racheter immédiatement, assez rapidement dès mercredi. Donc je pourrais dire que oui, c'est pas oublié, mais en tout cas, c'est digéré. Ouais. Rebondir, c'est s'imposer à Orléans mercredi. En cas de succès, VA prendrait la place de leader. Est-ce que c'est un levier de motivation supplémentaire? Oui, totalement. Suite aux deux derniers matchs, on sait qu'on aurait pu grappiller un peu plus de points aujourd'hui et toucher ce podium, cette première place. Aujourd'hui, ouais, on va à Orléans, clairement, c'est pour aller chercher 3 points. Je pourrais le dire, ouais, on va chercher 3 points avec la manière. Ouais, on peut dire qu'on va chercher ces points-là. C'est une façon de faire oublier ces deux fins de match compliquées contre Concarneau et Villefranche. Oui, bien sûr, c'est surtout valider les belles prestations qu'on fait depuis un bon mois maintenant. On a un match consistant, que ce soit offensivement et défensivement. Voilà, malheureusement, dans les dernières minutes, on a un peu ce petit déchet qu'on doit rectifier, qu'on va travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Donc, on va à Orléans pour aller chercher ces 3 points avec la manière. Orléans, c'est un club que tu connais bien en plus. Une ville et un club que tu connais. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de pouvoir jouer là-bas. Ils m'ont offert mon premier contrat professionnel. Et comme je l'ai toujours dit, je suis toujours reconnaissant envers Orléans. Mais voilà, mercredi, on ne sera pas du tout amis. Merci beaucoup, Cardi. Merci à vous.